peux monter un peu le son. Mes petites oreilles pour un peu mieux l'entendre parce que j'adore la musique de ce jeu. Un bout de temps que j'ai pas joué, donc j'espère que ça va aller. Au pire, j'ai 2 heures, ça fait au moins 2 tries. Donc, choix du perso, toujours Blaze. C'est que 2 coups qui sont moins puissants que ceux d'Adam et Axel. Par contre, sa vitesse de déplacement, il n'y a pas photo. Ça rend le perso beaucoup plus agréable à jouer. J'adore les musiques de ce jeu, franchement, vous imaginez pas à quel point ce jeu m'a manqué. C'est vraiment un jeu de l'amour pour moi. J'ai râpé mon lancer de couteau. J'ai quand même du mal ce matin, la preuve, je me suis fait taper. Normalement je le perfecte ce niveau, c'est pas grave. C'est la première run, c'est de la merde, c'est normal. Ah mais ce jeu de l'amour... C'est vrai qu'on n'est pas dans le 2. Moi, je suis pas réveillé ce matin, moi. Et c'est l'heure du boss. Thank you.
Et merde. J'ai fait de la merde, j'avoue. J'avoue, c'était caca. C'était caca, c'était caca, c'était tout caca. Tout caca, tout boubou, tout dindin. Tout caca bouddha. On va dire que c'est le manque de réveil. Hein. On va dire que c'est le premier stream du matin et que c'est le virus. Bah c'est mieux quand j'arrive à lancer mes couteaux. C'est quand même classe. Lancer. Alors lancer un couteau dans le jeu, c'est loin d'être facile. Hein. En fait, faut qu'il y ait aucun ennemi dans la moitié d'écran. En fait, si je suis là, faut qu'il y ait aucun ennemi dans cette partie de l'écran. Si je fais face à cette partie de l'écran. Faut qu'il n'y ait aucun ennemi à l'horizontale du côté où je regarde. Coucou Tortel! Comment ça va? Petit réveil. Tu peux le voir, je me fais avoir un peu noobiquement. Donc l'idée pour que le lancer de couteau marche, ça reste de faire tôt à la direction où tu veux lancer et de changer de direction juste après avoir lancé le lancer. Peut-être avoir initié de lancer, c'est tordu. Si vu que si tu joues en casu, ben tu viens de te réveiller. Tu pourrais pas réveiller mieux. Eh, ça fait longtemps mine de rien que j'ai pas touché à ce jeu. Je sens que je suis bien rust. Hein. Il n'y a pas que moi qui le sens, les ennemis aussi ils en profitent. J'ai arrêté de faire la conne avec mes couteaux moi. Alors il faut que je le gère tout de suite parce que je vais pas me retrouver avec deux un peu après. Un peu trop de monde. Donc là c'est le boss, donc bien gérer le minion pour pouvoir contrôler le boss après. Hein. Alors, j'ai évité de faire la conne. Hein. Donc, j'ai rêvé que tes parents avaient adopté un petit chaton qui était en train de le chercher. En train de chercher le chaton. C'est Mimi les chatons.
Oui, là je vais regarder sur le petit écran du retour de stream parce que à partir de maintenant je vais pouvoir voir tes phrases, mais avant c'était caché par la fenêtre du jeu. C'est ça qui est magique. La magie de j'ai pas assez d'écran. Là j'ai fait du caca. Hein. Oh, c'est mignon comme nom pour un chat-chat. Oh, j'ai les yeux très fatigués ce matin. Non, si tu veux, c'est pour voir OBS en fait. Merde. J'ai tellement de trucs en fait, il me faudra un troisième écran. Quand je stream, il m'en faudra un troisième. Alors, je peux utiliser mon téléphone comme troisième écran. Mais voilà quoi. C'est pas, ce sera pas le troisième écran pratique parce qu'il sera pas à bonne hauteur. Non, j'évite de regarder mon stream en même temps que. En même temps que je stream, ça m'évite d'avoir des pertes de framerate à la con. Et voilà, là on les a eus. Moi c'est pour voir les drops en fait. Moi c'est juste pour pouvoir surveiller les drops. Oh merde, ah non c'est pas encore là. Oh là là, j'ai la tête dans le cul, je sais plus où j'en suis. Je pense que ça va être un run difficile. Ce run va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué à partir d'ici. Ah, j'avais dit compliqué à partir d'ici, hein. Putain. Oh, autant doubler les points, hein. Je double les points de la mort du boss. Ça fait un camoulox. Il est mort deux fois. C'était dur et j'ai perdu une vie. Là, je suis pas contente quoi. Bon, en même temps, premier run, ça fait des mois que j'ai pas touché au jeu. À la base, je voulais attendre de pouvoir me payer un pad arcade pour y rejouer. Et mon pad arcade y attendra. Hein. Ça commence bien.
Ça commence magnifiquement bien, j'ai peur pour le boss final. Hein. J'ai peur pour Mister X, sachant que ça va être n'importe quoi. Comme tu peux le voir, c'est difficile ce matin. Ouais. Voilà, c'est pas si. Putain, moitié de ma vie ici, j'ai jamais fait aussi mauvais. Oh merde, j'ai balancé par-dessus le trou. Là, ça va, il est allé où je voulais. Merde, j'ai perdu ma concentration là. Enfin, je l'avais déjà pas à la base, tu me diras, la concentration là. Je suis en mode automatique. Coucou Willou, comment ça va? Merde. Ça va fatiguer. Alors le couteau est pas là où ça va me faire chier, c'est cool. Prévisible. Mais merde! Là c'est moi qui fais du caca. Comme vous voyez, c'est difficile aujourd'hui. Hein. Ce matin, il est dur la rue. Je pense que mon café fait pas encore effet, ou alors j'ai vraiment pas assez dormi. C'est aussi une possibilité. Oh putain, là j'ai peur parce que ça commence avec les niveaux. Niveau tendu maintenant. Avant c'était facile. Mais il vient d'où lui? Il est nouveau lui? Non, je te jure, je l'ai jamais vu.
Avec qui va mon petit déj? Putain, mais attends, sérieux, il vient d'où ce mob? Je me souviens quand même un peu de la rue, normalement il n'y en a pas ici. Il venait de là. Là normalement il y en a un troisième. Mais c'est quoi ce truc? Putain, je commence à choper des mobs de après là où je suis quoi. Autant d'axe. Il n'y a plus beaucoup de vie là. Hein. Heureusement qu'il y a un poulet pas loin. Ah, le poulet il arrive à point quand même. Hein. En même temps j'ai fait du caca en barre, je l'avoue. En fait je suis mine de rien Blaise quand elle marche, elle a vraiment l'air très énervée. Ah, je le sentais. Voilà, là, ça s'est bien passé. Vol du céréal plus clémentine. Très bien, écoute. Un petit déj. Équilibré. J'ai tué un ennemi, c'est ce que je voulais. Et encore, il y a une méthode plus rapide. Hein. J'ai tué le bon. Ah, j'ai tué les deux en ramassant la police. Magnifique.
Ah non, pas la mort, pas la mort. Le poulet, pas la mort. Hey, coucou Koala, comment ça va? Alors, j'en suis. Merde, je voulais pas me faire taper là. C'est un gros D-Rust, hein. C'est un gros D-Rust des familles. Merde! J'ai fait du caca, j'ai fait du caca! Quand même le one knife sur le boss, je suis content. Bah profite du réveil, hein. Profite du Street of Réveil. Désolé. Désolé. On va faire comme si j'avais pas fait ce jeu de mots, hein. On va faire semblant que ce jeu de mots n'a pas été commis. Alors, niveau... Ça, c'est le début de la fin. Non, c'est rien, j'ai fait un jeu de mots pourri. Alors, essayez de faire gaffe, l'intérêt c'est d'avoir mes 9 vies pour le 8ème stage. Hein. Alors, concentration, concentration, il arrive par où, il arrive par là. Il arrive par là. Il est arrivé par là, il est bien dû, il est mouru. Ceci était un mid-boss. Hey, princesse! Bien réveillée? Merde, t'es plus trop tard. Voilà. Café. Moi ça va, je l'ai pris. Avant de lancer.
un bon double expresso de Cuba. Ce niveau se passe bien. Merde, elle m'a tapé. Et 9 vies. Comme je disais, j'ai besoin de mes 9 vies pour le 8ème stage. Les jongleurs, c'est passé. Merde. J'étais plus loin que je pensais du compresseur. Sinon j'aurais coincé dedans. Ramène-toi. Ah oui, j'ai oublié qu'elle se baissait, elle. J'avais oublié. Alors, ici, compliqué, double boss. Sauf que deux fois le boss du 2, il est dangereux. Là, les deux vont venir vers le bas. Faut que je les aligne. C'est mal barré. C'est très mal barré, hein. Ce serait grave à les coincer tout le temps dans un coin. Merde! Je me suis fait eu. Ah là, je le gère pas. Là, c'est un boss, je le gère pas. Oh putain, j'ai cru au double KO. Fouh. Bonne journée, Willow. Ah ouais, non mais... Attends. Attends, c'est du vrai boss hein, qu'on a dans le jeu. Maintenant, le niveau à la fois le plus simple et le plus horrible. Putain, j'aurais pas mes 9 vies pour le boss. Faut que je perfecte ici, je pourrais remonter à 8 vies dans le dernier stage. Et ça va être compliqué. Alors niveau long, pas de boss, mais pas de régène.
Donc si je me fais taper... Je me fais taper, c'est mal barré, hein. J'ai le droit qu'il y ait très très peu de coups. Donc là, j'ai déjà pris un coup, c'est mauvais signe. J'ai de gros risques de perdre une vie sur ce niveau. Donc on laisse surtout pas traîner les couteaux. Putain, j'en suis à deux coups. Mauvais, mauvais, mauvais. On va essayer de s'en sortir. Donc l'idée, c'est d'éjecter les ennemis le plus vite possible. De faire disparaître la batte de baseball. Attention, tour de magie, plus de batte de baseball. Magie! Batte de baseball, plus de batte de baseball. C'est magique. Et voilà! Ça peut passer. Ça, c'est le dernier étage. Merde. Taux de brin. Il est mort. One life ici, c'est bien. Je crois que ça doit être une des premières fois que je le fais. Et donc, dans pas longtemps, ma chère Koala, tu vas bientôt voir ce qu'est un boss violent. Parce que le boss qui t'enlève la moitié de ta vie en une patate, c'est rien. C'est peanut. C'est easy. Certains diraient même que c'est petite bite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le boss qu'on va voir à la fin de ce niveau compense avec une grosse mitrailleuse. Voilà, ça c'était pour la blague de merde. Sérieux, le boss de fin de... Le boss de fin de ce jeu, quoi. Le fucking last boss. M'évite de faire la con, moi. Ah oui, puis j'oubliais, maintenant, dans ce niveau, il y a des ennemis qui t'enlèvent la moitié de ta vie en une mandale. Il y en a, parce que sinon c'est pas drôle.
Bah là je joue que en hard, hein. Je suis même pas en difficulté maximum. Alors attention, boss. Oh oui, il est dur. Voilà. Boss du premier niveau, torché. Mettez-vous en haut, attendez le gros barbu à griffes. On retourne en haut, on attend le gros barbu à griffes. On retourne en haut, on attend le gros barbu à griffes. La méthode est assez simple, hein. C'est pas le boss le plus dur du jeu, quand il est seul. Quand il est pas seul, c'est violent. Mais quand il est seul, c'est facile. On se débarrasse de tout ce qui traîne pour pas ramasser sans faire exprès. Non. On évite d'être submergé d'ennemis aussi, hein. Alors, catcheur. Trop tard, merde. Voilà, catcheur, c'est fait. Ça, c'est catcheur qui te donne une mandale, hein. Ça, c'était une mandale d'un boss. Alors voilà, eux, ils sont très dangereux. Ils font ridiculement mal ceux qui sont en noir. Ils peuvent me one-shot. Si je me place mal, que j'agis mal, que je réagis mal, je me fais one-shot. Voire même one-shot plusieurs fois par ces ennemis. Voilà, on vient. Voilà, exemple. Là, j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça aurait pu être la mort. Oh fuck, 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 quel couteau!
Crois-moi, le boss, tu préfères quand il te touche pas. Donc j'ai essayé d'éviter de me faire toucher. Alors là, c'est dangereux. Là, on arrive dans la phase vraiment dangereuse. J'aimerais bien qu'elle se ramène. Oh, ramène-toi, ramène-toi. Je tue avant qu'il y en ait un autre qui vienne. La priorité, c'est tout le temps de tuer ceux qui sont en noir. Hein. Les karatékas noirs, c'est les pires. Alors imagine si tu te laisses submerger. Putain, j'ai réussi à gérer les trois. J'ai mes 9 vies. Encore gagné. Voilà, quand je dis qu'ils font mal, c'est ça. Hein. Ne pas placer hors du contexte, en effet. Alors, on dit 1000 boss. On dit 1000 boss. Raté. Merde. Et le but, c'était d'éviter ça. Ah, plus qu'une, c'est réglé. Elles ont l'air simples, hein. Avouez que ce boss a l'air facile à tuer. Ah, mais les musiques de jeu, c'est... C'est une tuerie, hein. C'est... Non, parce que j'ai pas envie de refaire le stage 6. Alors là, j'ai pas le choix. Je dois prendre ça. Il faut que je m'en débarrasse le plus vite possible. Il faut que ce truc disparaisse de l'écran. Attention, maintenant c'est compliqué, le vrai boss. Voilà, c'était le vrai boss. Merde, trop tôt. Là, c'est le boss, t'as pas le choix, tu perds des vies, hein. Il a des HP pire qu'un palouf. Il fait mal. Oui, tu rêves pas, j'essaie de le tuer à coup de mignon en fait.
Et c'est un one cred. Oh yeah. Oh putain. C'est le one cred. Le fucking one cred. Le one CC en hard. Sur un D-Rust. Et avec 4 vies en rab. Oh putain. Attends, faut que je note mon score et que je respire. Je pense que c'est un PB. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est un PB? Oh putain, no one CC quoi. Ah bah en même temps, c'est un peu normal. J'ai dû exploser mon ancien PB quoi. Eh, ça valait le coup de voir ça, non? Putain, je comprends pas, il s'est abominablement bien passé ce boss. Il se passe jamais aussi bien d'habitude. Bon, bah écoutez, je pense que ça veut dire que la run suivante va se passer dans un mode de difficulté encore plus stupide que celui-là. Mon but ultime étant le one cred en very hard. Et franchement, la run était crade. Hein. Ce boss s'est jamais aussi bien fucking passé. Donc, on laisse couler. Que je prenne le temps pour le highlight. Parce que va y avoir un highlight du coup. Alors, donc c'est 55-11. Voilà, 55-14.